On a travaillé, on travaille les taureaux chaque jour, une, deux. Comment tu peux. Et on a travaillé avant-hier, un contre un, deux contre un, trois contre deux. Vous avez le ballon, tu as le ballon. Tu appelles. Quand tu veux porter dans la surface, quand tu es face à un joueur ou à deux joueurs, mais quand tu as un moment que tu fasses cela, tu ne dois pas chercher à l'œuvre. Donc, les centres de fait que j'ai l'habitude de voir, je ne vois pas. Rien n'est parti, rien. Et j'ai dit à ces deux milieux couloirs, et à tout ça qui joue dans, derrière l'attaquant, d'être proche de Djamba parce qu'il dévie. Il dévie les ballons, mais il dévie la personne. Les matchs sont un peu bonnes. Hein. Elle est un peu bonne parce que bon, je joue à l'extérieur. Et vraiment avec les fêtes que les gars ont abusé, tout ça, c'est ça qui a joué beaucoup sur eux. Parce que les contrôler, c'était difficile. Alors au niveau du terrain, comment vous appréciez la production? Il y a un handicap vraiment pour le stade. Vous voyez comment les gars glissaient, même avec les vis, ça glisse. Quel objectif de incroyable? Non, c'était, vous savez, quand je passe quelque part, c'est des barrages dans l'année passée, j'étais avec Authentic, j'ai laissé Authentic. Avec l'aide au barrage, n'a pas. Et comment l'organisation de l'Ève cette saison est faite, que ce soit au niveau de l'administration, au niveau de l'effectif, ça se passe comment? Non, au niveau de l'administration, vraiment, c'est soudé, ils mettent les moyens. C'est quand vous voyez même les joueurs s'habiller, ça veut dire que il y a quand même, ils jouaient comme ça 30 000. Mais ça veut dire que l'administration vraiment sont en train de mettre les mains. Okay. Vous présentez. Je m'appelle Tikanga Bena. Tikanga Bena. Tikanga. TCH. Ok, bonne chance. Professeur. Adresse complète. Tikanga Bena, coach, si vous êtes coach, coach avec le Royal, coach principal avec le Royal. Merci coach. Oui, je sais ça.